Le 10 mars est la journée des explorateurs spirituels. Les personnes nées le 10 mars sont des personnes profondes et émotives. Leur chemin vers le succès n'a aucune prétention. Ils sont particulièrement soucieux de se comprendre et accordent moins d'importance à la fortune, au pouvoir ou à la renommée. Cela ne signifie pas que les personnes nées le 10 mars sont trop clémentes ou trop préoccupées par leur propre personne. Au lieu de cela, ils aiment s'amuser avec des amis et sont très heureux lorsqu'ils occupent une position centrale dans la famille et sont entourés d'influences éducatives et protectrices. La sensibilité des personnes nées le 10 mars est assez prononcée. Ils peuvent être blessés très facilement, ils se sentent rejetés avec acuité et veulent quelque chose de plus de la vie que de vivre en paix avec leurs voisins. Cependant, ceux qui ont vécu des épisodes traumatisants durant l'enfance, ont été profondément blessés par leurs parents ou ont été exposés à un système moral trop rigide dans les premières années de la vie peuvent avoir tendance à se retirer du monde et dans un espace privé et inaccessible émotionnellement. En raison de leur sensibilité, les indigènes du 10 mars feront l'expérience des hauts et des bas de la vie et sont susceptibles de se concentrer intérieurement, vers la connaissance et la compréhension de leur âme. En développant le côté intérieur, ils cultiveront l'empathie pour la douleur et la souffrance. Pour cette raison, de nombreuses personnes nées ce jour optent pour une carrière orientée vers les services. Les autochtones plus évolués de nos jours font preuve d'une grande compassion et d'une grande gentillesse envers les autres. En tant que parents, les personnes nées le 10 mars ont tendance à être protectrices et compréhensives, mais elles ne doivent pas exagérer avec l'esprit protecteur. Généralement, les autochtones du 10 mars mettent avant tout leurs considérations personnelles. Aussi, parce qu'ils sont si bien développés émotionnellement, il est possible pour eux de négliger le développement de la volonté et la force de l'esprit. Par conséquent, ils peuvent avoir un développement plus lent ou même stagner ou manquer d'un fort désir ou de la capacité d'améliorer les circonstances. Pour ceux qui sont moins talentueux ou moins doués, la passivité et la tolérance exagérées peuvent être un frein. Plus centrés sur l'intérieur que sur l'extérieur, les personnes nées le 10 mars se sont dirigées vers un système dénué de matérialisme et de valeurs idéales. Cependant, ils ressentent le besoin de sécurité et de confort, des besoins qui deviennent de plus en plus évidents avec le temps. Le danger dans ce cas est qu'ils stagnent et ne pourront pas continuer leur évolution personnelle. Il est vrai que l'exploration du monde émotionnel intérieur, le leur et les autres, aggrave leur sensibilité, mais ne devrait pas devenir un moyen de se débarrasser de l'externalisation de leur propre personnalité ou d'éviter les décisions cruciales. Naître le 10 mars signifie qu'il y aura un changement de résidence au cours des 3 prochaines années. Cette saison est excellente car il est probable que vous gagnerez quelque chose de quelqu'un. Cette année, votre signe d'étoile place la réalité en face de vous. Il est temps que vous grandissiez, deveniez réel et acceptiez la responsabilité. Les récompenses viennent, mais exigent votre patience et votre capacité à accepter le retard. Vous êtes connu pour être gouverné par le jour 10, si vous êtes né le 10 du mois. Il y a beaucoup de grands leaders, des administrateurs, ainsi que des artistes nés le 10 mars. Tsar Alexandre III, Roi Ferdinand II, Eva Herzigova, Chuck Norris, Sharon Stone, Joe Vitarelli, Friedrich von Schlegel, etc. La lecture de numérologie signifie que si vous tenez le 10, vous êtes gouverné par le soleil. Les traits que vous démontrez comprennent l'influence, le commandement et le contrôle. Tout cela est positif car ils améliorent votre caractère. Vous êtes une personne honnête, franche et audacieuse. Être né le 10 des mois signifie que vous êtes simple, travailleur, diligent et normalement réussi dans votre domaine. Vous êtes fier et confiant, et vous aimez vivre avec dignité. Vous travaillez dur et n'aimez jamais suivre les autres. Vous avez la capacité de briller dans la politique, la médecine, l'enseignement, l'astrologie et le domaine des beaux-arts. Vous avez normalement assez d'argent, même si vous n'aimez pas travailler pour elle. Vous détestez être impliqué dans la trahison, la tricherie ou la tromperie. Votre chute est que parfois vous devenez fier et arrogant, donc ennuyez les gens autour de vous et générez des ennemis. Vous mettez trop l'accent sur vos réalisations, et vous pouvez faire face à des échecs. Le conseil pour vous est de faire attention à ne pas gagner un nom négatif. Parce que si vous faites cela, vous pouvez perdre votre position, diminuant ainsi votre confiance et finalement vous pouvez finir par suivre les autres. Sur le plan de la santé, vous pouvez avoir des problèmes de vision, d'hypertension et de maladies cardiaques. Le conseil est que vous devriez écouter les autres parfois. Pour gagner dans la vie, vous devez montrer des qualités comme être honnête, être sincère et droit. La bonne nouvelle est que le succès vient à vous facilement, mais vous pouvez tomber dans le piège d'être vantard. Pour les personnes nées le 10 mars, les jours de chance sont les premiers, 10, 19 et 28 mars. Les décisions et les actions prises à ces dates apporteront le succès.
Ils sont les jours parfaits pour démarrer une nouvelle entreprise, commencer à construire une maison, déménager à un nouveau travail ou une maison, acheter un véhicule, une propriété ou des bijoux, etc. Les jours malchanceux du mois sont les 8, 17 et 26. Il y a plus de chances d'échec ces jours-ci. L'action peut conduire au gaspillage d'argent, d'efforts, et vous pouvez perdre votre réputation.